don't like it. I love it, love it, love it. Ah, c'est trop magnifique. C'est tout ce que j'allais dire. Alors. Premier numéro, attention fragile. Miaou, miaou. C'est bizarre. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est. T'as mis du scotch. Hein. Oh. C'est trop mignon. C'est une table. Déballé, numéro 2, donc dans un pot en verre, odeur esquisse. Plus le numéro 3, c'est pour ne pas perdre le fil. C'est tous les mêmes. Et tu peux en mettre genre, ça te fera comme un flacon de parfum entier. En fait, j'ai compté. Mais ah, c'est tu trop. Sens directement comme ça, t'es pas obligé d'ouvrir, tu sentiras. Ah, ça sent trop bon. Ah, c'est trop bien. C'est original en plus. Et ça fait joli. J'aime trop les agents de parfum. Et pour ne pas perdre le fil. C'est moi qui l'ai fait. C'est en dessous, hein. C'est un marque-page comme ça, c'est trop joli. Voici en papier voilà. Mot. Au 4, note, note, note. Donc c'est dans ça. Voilà, j'ai mis un petit râteau. Alors j'ai fait ça pour pas faire chier. Ah oui. Il est beau. Ah, hein. C'est... Ah, il est beau, hein. Il y a marqué News Business Class. D'accord. Donc, il y a un stylo comme ceci. Et après, c'est un carnet, voilà, comme ça. Ah, il est trop bien. Qu'est-ce que tu ferais, lui ? Et le grand plaisir de t'offrir ta première, trois petits points. Ça, c'est numéro 5. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce ? C'est numéro 32. Ah, oui, merci. Ah, j'ai toujours voulu en avoir, c'est, quand odeur, c'est l'odeur la plus connue. Hein. C'est quand on regarde les swaps des gens et tout. Oh, c'est la Yankee. Là. C'est la Yankee Coddle Soft Blanket. Ça sent trop bon. Mais ça, t'es obligé ou pas dans celle-là d'avoir, tu sais, le... Non, tu le mets dans un verre. Ah, c'est trop bien. C'est une Yankee Candle, malgré que je t'aime. Numéro 6. Donc, ça veut dire que c'est méchant. Voilà. C'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est... C'est Fais gaffe, hein. Fais gaffe à pas déchirer ce qu'il y a à l'intérieur parce que sinon tu vas mourir. D'accord. Je crois qu'on peut se retrouver dans 3 heures, hein. Voilà. Donc voilà, on a réussi. Maintenant il y a encore un truc. C'est abusé, là. Ah, parce que tu l'as vu, là, en fait, ce que c'est? Non. Ah, bah voilà. Non, mais il y a encore un. Emballage. Voilà. Et enfin, caisse. Oui! Oui! Il est pas de moi. Donc, c'est A Silent Voice, le deuxième tome. T'as compris ou pas la devinette pourrie? Silence, oui. Je dors. Ouais. Merci. De Yoshitoki Oyuma, qui est publié chez Kiyu. C'est chez les éditions Kiyu. Et c'est un Chanel. Ok. Bonne grosse faute. Donc, il t'emmènera dans un monde fantastique. C'est... Il était minuit. Donc, voilà. Un monde fantastique à ne pas rater, j'ai marqué ça sur le papier. Ceci, je suis sûre. Bah, ah, Manon, c'est un petit peu cocasse quand même. Alors, je fais mes hypothèses dans ma tête. Oui! Oui! Alors. Mais énorme, je pensais pas qu'il allait être aussi gros. Moi aussi, je pensais pas qu'il était aussi gros, mais je m'en fous. Mmh. Donc, c'est L'ère des miracles, le tome 1, L'échiquier des dieux de Richard Mead, publié chez Milady dans leur collection Beatlit. Les Beatlit, c'est trop bien. C'est magnifique. Et mais donc, crime, amour et enquête, délire. What is it? Putain. Alors, c'est Petite mes aventures amoureuses de Yuki Yoshi. Yuki. Yo, attends. On l'a refait.
Yuki Yoshihara. Donc c'est publié chez Soleil Manga dans leur collection Sojo. Voilà. Oui, il y a marqué le prix. J'ai oublié le nom. C'est joli. Mais un bon gros manteau. Il risque de faire froid. Il risque de faire froid. Oui, il était minuit, d'accord. Je sais que j'ai pas bien marqué manteau. Ça fait manteau. Ça, c'est celui que j'ai acheté en occasion pour les bougies. Mais c'est pas bien tout ça. Mais c'est en occasion. Il m'a coûté le prix d'un goodies que normal. Ouais. J'ai fait une brocante samedi, d'accord. J'ai le même. J'ai exactement le même. Mais j'ai bien aimé, alors. J'ai vraiment aimé le livre, alors je te l'ai pris aussi. Parce que je l'ai trouvé, j'étais trop contente de le trouver. Il est un petit peu abîmé par contre. C'est pas grave. C'est de l'occasion, c'est pas grave. Alors, c'est Océania Horizon Blanc de Helen Montard, publié chez Rajo. Voilà. Alors, numéro 13, à Paris en pleine nuit. À Paris en pleine nuit. Alors, soit c'est. Il y a un marque-page, fais gaffe. Oui. On l'a donné avec. Le scotch, normalement, s'en va sans déchirer le marque-page. Alors. Attends, ça va s'enlever là. Attends. Ouais. Et après, ça s'enlève. Bon, tu le feras après ça. Ouais. Je vais le faire. Alors, soit c'est. Oh oui! Donc, c'est Les Aventures d'Aliètre Noir, le tome 1, La secte d'Abaddon. D'Abaddon, je sais pas comment ça se dit, de Cecilia Corellia, qui est publié chez J'ai lu dans leur collection Dark Light. Merci. Et le dernier cadeau, je sais pas si encore. Vas-y. Et donc le dernier cadeau, il y a pas de mots. Ah bah le dernier cadeau, c'est que tu as maintenant la panoplie. D'accord. Tu sais ce que c'est, ouais. Je pense, parce que la dernière fois elle m'a saoulée, elle m'a dit j'ai les pour le corps, j'ai les pour le corps, j'aimerais trop avoir la crème pour les mains pour avoir les deux. Ouais. Alors je vais acheter une crème pour les mains. C'est une qui répare en même temps les ongles. Enfin, qui nourrit j'ai... tes ongles en fait, qui les hydrate. Moi j'ai des ongles de merde, pas hydratés, pas tout ce que tu veux, c'est pas. Mais c'est quoi ces emballages? Oui. Alors. Donc, ça c'est une crème Yves Rocher, beauté des mains, à la crème ultra nourrissante. Voilà. Merci. Et ça, c'est des bonbons. Regardez tous les confettis, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Attends, deux secondes, j'ai... Ah, oui, je t'ai mis ça aussi pour marquer les pages de tes livres. Et il y a encore Merci. Un chose là. Voilà. Merci. T'es content? Oui, je suis content. Ouh. Ma graisse. Merci. Voilà, cette vidéo est finie. Bisous, bisous.